Voilà, Dorian, vous venez de remporter cette rencontre. Deux mots sur cette rencontre parce que ça a été une rencontre de plus d'une heure. Oui, c'est ça, plus d'une heure avec Martine. Ça fait longtemps qu'on avait l'habitude de se jouer. Donc là, on s'est revus et puis on a fait, comme d'habitude apparemment, des matchs très longs. Elle a vraiment un jeu incontournable, on va dire la doyenne. Elle a un Oui, jeu incontournable. incontournable et elle est partout sur toutes les balles. Donc c'est très dur effectivement de la jouer. Pronostic, mesdames. Robert victorieuse toujours, comme d'habitude. On ne fait pas semblant, on gagne toujours. Suivant. Même pour le moment 3-0. Pronostic. Allez, 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 Robert, allez, allez. Robert. Allez, Ils sont tous pour le Robert, c'est bien. Bah oui. Pronostic. Ah ben, on gagne, hein. On mène 3-0 déjà. On gagne, on gagne. Voilà. Victoire de Robert. Basse quand même, basse. Bien sûr. On va passer dans le camp du François. Alors, un pronostic, le François. Il n'y a même pas de question à poser, là. Il n'y a pas de question à poser? C'est une évidence. On fait durer le plaisir, mais bon. C'est le François. On connaît les résultats. Mais bien sûr. On fait durer le plaisir, mais on connaît les résultats. Alors, c'est quoi le résultat? La tournée, vous regardez. François number one. Non, pour l'instant, je pose la question. Je ne peux pas me retenir. François number one. Yes. Alors, Colette, le résultat, François? Non, on est mené, mais bravo, on va gagner là. On va ramener un point. Très bien. Voilà. C'est Dorine la meilleure de toute façon. C'est Dorine la meilleure? Mais bien sûr, il n'y a même pas de question à se poser. Allez, le François. Allez, le François. Son adversaire est tenace. Martine est tenace. C'est un beau match. Ça, ah ben, elle s'appelle la doyenne. Hein. Ah ouais. Ah là là, on va demander au juge arbitre un commentaire sur ce championnat, monsieur l'arbitre. Un commentaire sur ce championnat. Mais la rencontre se passe de la meilleure des façons, donc très bien, bonne ambiance, bon comportement des joueuses, bon comportement du public. Voilà, donc ça se passe très bien. On va vers le président du François. Alors, Roland, deux mots sur cette rencontre, cette équipe. Vous venez soutenir l'équipe du François. Oui, comme d'habitude, l'équipe du François est toujours accompagnée par diverses personnes. On a notamment les nouvelles joueuses, on les encourage et il y a une bonne ambiance. Et puis voilà, donc l'essentiel c'est de participer et puis ça va bien se passer. Voilà, Martine Fibleuil, alors deux mots sur cette rencontre difficile mais pas impossible. Oui, c'est que j'ai fait de mon mieux, mais Dorine était sur toutes les balles aussi. Et ces balles étaient coupées, c'est ça qui me gênait. J'arrivais des fois à pas même bien me placer sous les balles. C'est ça qui m'a gêné le plus. Vous avez suggéré l'ensemble du match malgré la défaite, mais oui, vous avez oui, suggéré l'ensemble oui. En plus, du match. Ce matin, j'ai travaillé, alors ça n'arrange pas les choses. Il y a la fatigue derrière. J'ai bossé, j'ai fait une randonnée, j'ai fait de l'aquagym, alors j'ai senti que les cuisses, au niveau des cuisses, ça n'allait pas. Vous êtes quand même une référente, la doyenne en matière de tennis. Oui, je suis la doyenne, mais la doyenne commence à perdre de l'énergie, quoi. Mais elle est là sous tous les points quand même, elle se bat. C'est un exemple pour notre nouvelle génération. Ah oui, il faut prendre de la graine, hein. C'est ça la nouvelle génération. On va prendre un exemple sur la combativité. Merci Martine Fibre.